Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades moto. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la balade va s'intituler Au cœur des Cévennes. Je viens de quitter Vébron, environ une dizaine de minutes, qui est la fin de mon étape de liaison, pour me diriger vers Barre des Cévennes. Redescendre par la vallée française, le gardon de Sainte-Croix, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard et remonter par le gardon de Saint-Jean qui me permettra de revenir sur Meyrueis. Je vais faire les deux vallées qui sont autour de la corniche des Cévennes. La balade fait environ 220 km. Bon visionnage. Je viens de passer dans le col des Faïs, altitude 1015 mètres, et je me dirige donc vers Barre des Cévennes. Un point météo, donc comme vous le voyez, pas un nuage à l'horizon. La température doit être autour d'une vingtaine de degrés. On a eu un temps très nuageux et pluvieux, et là il se lève pour le week-end, ce qui n'est pas négligeable. Je viens de quitter donc Barre des Cévennes pour descendre dans la vallée française. Et donc en face, la corniche des Cévennes que j'avais empruntée lors d'une précédente vidéo. S'admirer. Je viens de terminer la descente, je suis en train donc de suivre le gardon de Sainte-Croix et je me dirige vers Sainte-Croix, vallée française, qui est annoncée à 5 km. J'ai bien fait de choisir cette balade aujourd'hui parce qu'il fait pas trop chaud. Je pense qu'en plein mois de juillet ou d'août, en pleine canicule, ce serait une autre paire de manches. Et voilà, je vais traverser le gardon de Sainte-Croix. Et voici donc la Sainte-Croix vallée française. Ils doivent avoir ici un sacré budget pont parce que c'est au moins la troisième ou quatrième fois que je traverse le gardon de Sainte-Croix. Je me situe à la Boissonnade et à 20 km de Saint-Jean-du-Gard qui sera le point le plus éloigné de notre périple avant de faire le retour pour faire l'autre côté de la corniche des Cévennes, à savoir par le gardon de Saint-Jean. La route est très très belle, relativement large, et pour l'instant il n'y a pas grand monde.
J'ai repris un peu de hauteur par rapport au Gardon. Un petit visuel. Et je poursuis direction Saint-Étienne-Vallée française, qu'on devrait atteindre d'ici 5-6 km à peu près. Un petit changement, en fait je n'arriverai pas jusqu'à Saint-Étienne Vallée française, qui était à 1 km, et là donc je me dirige directement vers Saint-Jean-du-Gard, annoncé à 12 km. Le travail d'érosion sur cette sur ce flanc de montagne. Voici à Saint-Jean-du-Gard, et donc on va poursuivre direction Saint-André de Valborgne. Nous suivons le Gardon de Saint-Jean. Toujours en suivant le Gardon de Saint-Jean. Alors la route était très belle, là elle est un peu plus brosselée, mais par contre voilà, ça m'a fait penser un peu à la montée du col du Minier au niveau route, et là, la température est vraiment montée, il fait vraiment chaud malgré le vent. Voilà dans Saint-André de Valborgne. Je vais donc poursuivre la remontée sur Meyruès. Le GPS m'annonce encore 92 km jusqu'à Mignot. Donc ça voudrait dire une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à Meyruès. Je viens de sortir de Saint-André de Valborgne, ou plutôt j'en sors à l'Estap. Et donc un petit point sur la situation. Donc je suis à 16 km de Rousse, qui est le point d'entrée de des gorges du Tapoul que j'avais faites lors de vidéos précédentes. Et donc à partir de Rousse, du coup, je reviendrai sur Freycinet de Fourques,
et puis Meiruyeis. Et donc là, j'attaque la remontée. Actuellement dans la montée qui me mène sur Rousse, grosse montée avec fort pourcentage et des beaux virages. Je pense que je vais récupérer la route du tunnel du Marqueres. Puisqu'à un moment, j'avais été sur la droite à la sortie du tunnel et sur la gauche il y avait Saint-Jean-du-Gard, donc je pense que je vais récupérer cette route pour pouvoir repasser par le tunnel du Marqueres. Et voilà encore un visuel sur la vallée. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc on récupère la route de Rousse en passant dans le tunnel du Marqueres. 324 mètres. Comme vous pouvez constater, les pleins phares ne marchent pas mieux que les phares. Et donc nous revoilà sur une route connue, à savoir la route qui va nous mener à Rousse. Et me voilà arrivé à Rousse. Quoi qu'il en soit, après, il n'y aura plus grand chose à filmer puisque ce circuit a déjà été filmé dans les précédentes vidéos. Et c'est sur ces quelques images que la vidéo va se terminer. Merci de l'avoir visionné. Soyez prudents sur la route. Dès que vous le pouvez, roulez. À bientôt.